Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur Terraria sur Xbox. Voilà, manette Xbox. Voilà, sur Xbox. Je sais que ça faisait un moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais je cherchais une idée originale là, pour pas, mettons, refaire du Minecraft, même s'il y en a plein. Puis j'étais allé voir sur YouTube. Puis des tutos sur Terraria, surtout sur Xbox 360, là, en français. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est très très rare, c'est genre trouver du diamant dans Minecraft, là, si vous voyez ce que je veux dire. On va commencer immédiatement à se connecter. Vous me direz si vous préférez que j'utilise un personnage que j'ai déjà, comme celui-ci, ou que j'en crée un nouveau. Présentement, je vais juste faire un nouveau, mode masculin. En même temps, je vous montre comment le jeu fonctionne, si vous l'aimez comme ça. Vous allez pouvoir l'acheter. Moi j'ai reçu gratuitement quand j'étais abonné Gold. On va y mettre les yeux comme ça. Couleur de peau. Voilà. Couleur de sa chemise. On va la mettre noir. Je mets tout noir. Hein. Demandez pas moi pas pourquoi. Moi je trouve ça swag noir. Surtout dans les jeux vidéo. On va mettre la difficulté en. J'ai reçu un message si vous avez entendu. Perdre son argent, la mort est définitive, perdre tous ses objets dans la mort, perdre son argent à la mort. Alors on va mettre ça en normal. Bon, on va créer le personnage. Voilà. Bon, comme ça. Et voilà, on lance une partie. Non, pas dans ce monde-là, on va créer d'autres mondes. Parce que ça, c'est des parties déjà faites. Chaque personnage, pour que vous puissiez comprendre, chacun de vos personnages. Ont leur code génétique, on peut dire, avec les items. Donc on peut se promener de monde en monde avec nos items qu'on a dans les poches. Mais mettons que j'irai dans ce monde-là, c'est mon monde déjà créé. J'aurais déjà tout plein de choses, tout plein d'items. J'aurais déjà genre des outils full puissants. Donc je vais commencer par supprimer ce monde et me créer un nouveau monde. Un grand monde. Quand ça va être votre monde principal où vous allez habiter, créez tout un grand monde comme ça, vous allez pouvoir voir plein de choses. Je vais l'appeler YouTube. Voilà. Comme ça, je me tromperai jamais. YouTube, voilà. Et on crée le terrain. Vous me direz aussi si vous voulez des ellipses. Parce que ça peut être quand même assez long. Certaines choses. C'est ça, il va y avoir de nouvelles choses. Vous me direz ce que vous voulez que je construise ou que j'essaie de faire. Parce qu'évidemment, je peux pas tout faire sur notre chronologie. Attends, vous voulez que je aille combattre des boss. Je pourrais pas nécessairement tout en faire. Ça se peut que j'en fasse les mêmes régulièrement. Pour une question de. Comment on dit une question d'item. Récupérer plus d'objets possible. Et c'est ça. C'est normal, le monde se génère, c'est lent. Ça prend du temps. Vous me direz si la qualité visuelle est bonne ou mauvaise, parce que présentement, c'est pas si mal, Parce que présentement, au lieu de filmer le soir comme je faisais avant, je vais le faire un peu dans la journée pour prendre l'avance. Voilà, on commence avec un bloc de terre. Le bloc de terre! Ouais! Bon, on va tout se déposer le bloc de terre, parce que moi je m'en fous. Bon, actus numéro 1, ça doit être logique, c'est un peu le même principe que Minecraft, c'est de tout de suite aller récupérer du bois. Et faire une maison, pas pour nous, non, pour le PNJ. On va commencer par... Parce que le PNJ, si lui il meurt, il revient seulement quand vous aurez reconstruit une nouvelle maison. Donc on s'entend qu'il va avoir des problèmes. Et vous pouvez faire en sorte que les PNJ apparaissent de plusieurs manières. On va tout voir ça. On va ramasser beaucoup de bois, comme ça. Il y a juste un petit truc drôle que je trouve, là. Les outils en cuivre sont moins puissants que les outils en bois. Et les outils en bois sont moins puissants que ceux en cactus. Donc, on peut emmerder la logique. Parce que non, il n'y a pas de logique en Terraria, vraiment. Bah, à part la logique, quand t'es mort, bah, tu perds ton argent. C'est très... Parce que l'argent, présentement, ça sert à rien. Hein. Tant qu'on n'a pas de PNJ, l'argent, ça sert à rien.
Pour parler du craft, c'est comme sur Xbox 360, les crafts, dans Minecraft. Parce que, ils l'ont fait comme ça. On va y faire. Pour que le PNJ puisse considérer ça comme une vraie maison, et c'est ça le problème, il faut au moins une table, une chaise et des murs. Oui, des murs. Moi je croyais que ça c'était un mur, hein. Ça m'a pris genre 2 semaines avant de comprendre que ça c'était pas un mur. Pour créer un mur, il faut retransformer notre bois qu'on a récupéré en mur en bois. Maintenant, on voit, puis on installe ça. Ça va faire lait, je sais pas pourquoi, mais il n'y a peut-être pas de rentrée dedans tant qu'il n'y en a pas un peu de bois qui dépasse. Puis s'il y a une lisière qui dépasse, assurez-vous tout le temps que ça soit bien plein. Hein, que... Si il y a ici, c'est ça, voilà. J'ai manqué de bois. On va refaire. Pour utiliser comme la table de craft, parce que ça c'est comme une table de craft dans Minecraft, ça c'est les tables, mais ça sert juste à créer des lunettes quasiment. Les lunettes servent aussi à rien, hein. Il y a beaucoup, mais je dis vraiment beaucoup d'items qui servent à rien dans le jeu. On va aller chercher du slime. Pas de lumière, on peut rien faire par là. Créer une torche. Oh shit, l'épée de merde. Ah, voilà, un slime. Bon, on vient juste de martyriser un bébé slime qui n'avait rien fait, qui n'avait même pas attaqué. Mais, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'on l'a décidé qu'ils sont méchants, parce que les slimes pourraient quasiment être nos amis là-dedans. Ils nous font quasiment jamais mal, à part les... Maintenant, pour savoir si votre maison est efficace, vous allez dans l'option logement, vous allez voir, vous cliquez sur votre PNJ, ah, Brandon, Brandon peut habiter, Brandon, c'est, il fournit des astuces et des conseils d'artisans. Je vais afficher les drapeaux, voilà, afficher les drapeaux, c'est pour savoir qui habite dans la maison. Présentement, moi, j'ai aucune maison, mais c'est pas grave, parce que dans Terraria, les maisons, c'est pas nécessairement utile. Hein. Moi, dans mes anciennes parties, j'habite littéralement avec le mec. Rien de bizarre. Mais c'est comme ça, parce que pour moi, les maisons sont inutiles. On va se ramasser du bois pour se faire des outils plus forts. Désolé pour ça. Mais c'est ça. Si vous aimez pas le principe que je suis plus sur Minecraft, vous l'enverrez. Comme ça, je vous entendrez pas plein de personnes se plaindre genre ah, « Pourquoi t'es plus sur Minecraft? » C'est juste que je voulais faire changement. Tiens, on va se faire une armure en bois. Ok. L'armure en bois, normalement, elle s'équipe automatiquement. Voilà, c'est ça que je disais. L'épée en cuivre fait 4 de dégâts, puis l'épée en bois fait 6. Hein. Je croyais que normalement c'était le... Comment on dit... le métaux qui faisait plus mal, mais dans Terraria. Aussi, tout à l'heure, vous voyez que... Tout à l'heure, quand on attaquait les slimes, on faisait des petites pointes. Mais maintenant, on fait des grosses attaques. Voilà. C'est ça. Je risque de faire des petits épisodes de 10 minutes, donc c'est juste pour... Puis je risque d'avancer aussi entre les épisodes, genre exemple ramasser du bois, vous me verrez pas juste ramasser du bois, parce que vous allez trouver ça long. Et je sais que même moi quand je regarde des vidéos sur YouTube, là, voir quelqu'un ramasser de la pierre, de la terre, peu importe quel est le truc, dès que c'est du farming, c'est long, c'est nul, c'est stupide. Mais là, présentement, je vous montre juste les bases pour que vous compreniez qu'il faut tout de suite construire des outils. J'ai entendu dire que ça... Oh, shit. Ça commence bien, hein? Première mort du jeu. Genre, j'étais pas en mode hardcore, sinon je serais directement mort. Good. L'armure de fête. C'est le seul outil qu'on peut faire. Ok, on peut juste genre... Ok, bon, on va aller tout de suite dans le désert. Mais je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode, aller dans le désert, parce que présentement, on n'en a pas vraiment de besoin.
Je fais, ben c'est ça. À la prochaine, à plus. Merci d'avoir regardé.